pas. Ici l'amiral Xen. Vous avez retrouvé le module de Zal Koris? Pas encore. Quelle est la situation? La flotte civile a subi de lourdes pertes depuis que Zal Koris a sacrifié son vaisseau pour détruire un canon Geth. Seul l'espoir de retrouver l'amiral empêche la panique de se répandre dans nos rangs. Pourquoi retrouver l'amiral est si important? Même s'il était contre l'invasion, c'est grâce à lui que notre flotte civile a si bien résisté. Sans lui, j'ai peur de voir les civils déserter la flottille en masse. Imaginez les conséquences. Ils ont perdu leur guide dans une guerre qu'ils ne voulaient pas. Il est trop tard pour avoir des regrets. Même Zal Koris mesurait toute l'importance de la flotte civile. Après tout, sans soutien logistique, notre invasion serait stoppée net. Je vais voir ce que je peux faire. Protégez vos civils. Je ne peux rien vous promettre. Je dois superviser ma flotte pour notre assaut final sur Rannoch. La réception est mauvaise. Zal Koris s'est écrasé à proximité d'une tour de brouillage. Vous devrez la détruire pour pouvoir le contacter. Surtout avancez avec précaution. Les Geths ont dû déployer des mesures de sécurité. Xen ! Amiral Xen ! Espérons que la nature sera plus clémente avec l'amiral que les machines. On le saura bientôt. Déposez-nous à la tour. On se fait tirer dessus! Les Geths ont déployé des canons anti-aériens près de la tour de brouillage. Il faudra aller les détruire à pied. Une fois les canons HS, vous rasez la tour. Ok, commandant, je vous dépose ici. Mon peuple est en exil depuis des siècles. Dire que je marche sur la terre de mes ancêtres. Vous connaissez les Geths? Quelle tactique emploieront-ils? Comme d'habitude, ils vont jouer sur le nombre. Évidemment, les machines ont toujours confondu force et effectif. Si loin de chez eux. Nous devons contacter Zal Koris pour le localiser. Remettons-nous en route vers cette tour de brouillage. Vous êtes blessé? Je vais bien, mais attention, il y a sûrement d'autres mines. Regardez!
Les canons anti-aériens. Sûr de le faire? Bien sûr, j'y vais. Synthétique! Vous avez capté mon message? J'ai envoyé un SOS. Non, la radio est morte. Vous êtes un soldat? Mécanicien. Dornast. Je nettoie les moteurs. Ça grouille de guette par ici. Vous auriez dû vous cacher. Je voulais faire gagner du temps aux autres civils en tuant des guettes. Mais... ils sont trop nombreux. J'avais jamais tenu une arme de ma vie. Ne bougez pas, on a du médigel. C'est trop tard pour moi. Trouvez l'amiral, détruisez cette tour de brouillage et contactez-le par radio. On le trouvera, Dorn. C'est promis. Écoutez, la flotte civile ne voulait pas de cette guerre. S'il y a la moindre chance que l'amiral Corys soit encore en vie, et mon fils, dites-lui, dites à Jonah que son père a pu revoir sa planète d'origine. C'est promis, reposez en paix, Dornast Vastranok. Bon, allons à la tour. Pour elle.
œil à la console du canon. On devrait pouvoir le désactiver. Qui va détruire le canon? Occupez-vous-en, Tali. D'accord. Vous devriez contrôler la tourelle Gate. Encore des Gates. Donnez-nous vos coordonnées. Laissez-moi. Mon équipage sera bientôt anéanti. Voici. Ce ne sont pas des soldats, Shepard. Ils vont se faire massacrer. Sauvez-les. Amiral, on ne gagnera pas cette guerre sans vous. La flotte civile a besoin de vous. C'est résolument trop tard, Shepard. Même les civils ont pris des armes et se sont engagés dans cette guerre insensée. C'est trop tard, uniquement si vous mourrez ici. Vous croyez vraiment pouvoir arrêter cette guerre? J'en sais rien. Et tout ce que je sais, c'est que j'y arriverai pas sans votre aide. Ancêtre, pardonnez-moi. Je vous envoie mes coordonnées. On arrive. Encore temps.
Ici Zalkoris, répondez. Répondez, quelqu'un m'entend? On doit y aller. Puisse-t-il trouver le repos dans les cieux de notre planète d'origine? Commandant, la dissension est pire que je ne pensais. Vous aviez raison au sujet de mon retour. Avez-vous convaincu les capitaines civils de rester? Oui, ils se sont regroupés en position défensive autour du cœur de la flotte. S'ils étaient partis... Je vous offrirai toute l'aide possible. Après que les Cariens ont envoyé des guettes dans les bras des moissonneurs, je ferai tout pour arrêter cette guerre. Voilà pourquoi votre peuple a besoin de vous. Bien entendu. Intéressons-nous donc à ceux que nous pouvons encore sauver. Au revoir, Shepard. Bon voyage. Commandant, la base des moissonneurs transmettant le signal est localisée. Bien. Et ce n'est pas trop tôt. Avec les améliorations des moissonneurs, les guettes nous taillent en pièces. Une fois le signal coupé, les guettes ne mettront plus les créateurs en danger. Quelque chose vous préoccupe? Bien que les desseins des anciennes machines soient néfastes, leurs améliorations nous ont grandement profité. Observez. Un signal de traitement guette. Une seule unité, je crois. Correct. À présent, 10 unités proches mises en réseau coopératif. Là, une seule unité guette améliorée par l'ancienne machine. C'est une IA pleinement évoluée. Oui. Nous désapprouvons les anciennes machines, mais nous trouvons cette croissance belle. C'est un signe de vie. C'en est un. Commandant. Allons, amiral. C'est un être vivant, quelle que soit la plateforme qui l'héberge. Et ils mourront quand nous détruirons la base. Ils se sont alliés aux moissonneurs. Pour se protéger de vous. On pourrait peut-être éviter leur mort. Tout ça parce que celui-ci semble amical? Eh bien, il n'a pas tiré sur un vaisseau où je me trouvais. Commandant, vous suggérez... Je ne suggère rien du tout. Je dis juste qu'une extermination n'est pas obligatoire. Inutile d'en discuter avant d'avoir détruit cette base. La zone autour est lourdement fortifiée, et il y a des tours de brouillage pour empêcher le ciblage orbital. Il va falloir y aller à pied. L'amiral Xen a mis au point un système de guidage laser qui peut passer le brouillage. Il est synchronisé avec l'ordinateur de visée du Normandie. Donc, le Normandie tire une salve précise sur toutes les cibles que j'illumine. Ça devrait aller. Idea, ça marche pour toi? Oui. Cela devrait nous permettre une frappe de précision contre les moissonneurs. Et de tout ce qui nous barra la route. Les guettes reconfigureront vite leur tour de brouillage pour neutraliser cette technologie. Ne l'utilisez pas avant d'être dans la base. J'ai transmis les coordonnées de la base des moissonneurs. On peut y aller? Cet escadron de chasseurs guettes ravage toujours la flotte. Pouvez-vous tenir? Si cet escadron n'est pas neutralisé, de nombreux vaisseaux seront perdus. Mais nous ferons au mieux. C'est votre opération, commandant. Si vous voulez frapper maintenant, je vous soutiens. J'en ai assez de vos méthodes téméraires, Han. Les patrouilleurs ne bougeront pas. Il faut entraver leur tentative de débordement pour donner à nos frégates le temps de se réparer. Puis vous fuirez encore, comme la dernière fois. C'est différent, Han. À moins de donner du temps à nos bâtiments, nous allons les perdre. Alors, rappelez-les. Si je fais ça, les guettes nous déborderont, et nous perdrons toute possibilité de manœuvre. J'ai besoin des patrouilleurs. J'en ai assez. Davantage de bâtiments dans ce foutoir ne ferait que mettre plus de vie en danger, amiral. Très bien. Je rappelle la flotte lourde. Et quand nous subirons des tirs croisés, les morts seront à votre compte. Merci, commandant. Parfois, il est difficile de le retenir.